Hello, bienvenue dans le nouveau vlog. Bonjour, on est samedi. Il est 11h précisément, si jamais vous voulez savoir. Et je sors de la douche, je me suis mis une belle petite robe de fleurs, c'est nouveau. Et non, c'est pas nouveau. Mais vous avez déjà vu cette robe-là, mais passion, petite manche comme ça. J'aime tellement les détails, comme je trouve que ça fait comme cute mine à son affaire. Puis comme là, on dirait que je suis prête genre comme pour un brunch de Pâques. Je sais pas pour vous, mais je me regarde dans le miroir avec ma coco, puis ma robe comme ça, là, avec ma nouvelle petite chaîne. On dirait que je suis prête genre... Je suis prête pour quoi, mais je suis prête. Mais là, j'allais pour me maquiller. Puis après, me faire les cheveux avec mes nouveaux petits cheveux pour la première fois. Donc, j'ai hâte d'essayer mon Dyson avec mes petits cheveux courts. Mais j'allais pour me maquiller. Puis je me suis dit, oh, je vais commencer le vlog avec mes petits amis. Parce que j'aimerais faire le transfert de ma poche à maquillage dans ma nouvelle petite poche. Genre, est-ce qu'on peut prendre un moment? Mon bébé m'a acheté ça pour la Saint-Valentin. C'est la Zoé de Lambert, Rose Gold. Genre, ça fait vraiment longtemps que je la zutais. Mais là, si jamais vous voulez la voir, elle est épuisée. Mais, je sais pas si quand je vais sortir ce vlog-là, le rabais va être encore en ligne, genre. Mais il y a une vente d'entrepôt sur Lambert. Tout est à 40%. Pas tout, mais la majorité. Donc, je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous à vouloir vous acheter des Lambert, mais que vous hésitez. Mais là, ça serait vraiment le temps. Et pour vrai, je capote sur la trouche. J'avais trop, trop hâte. Puis, il y a même comme des petits compartiments. J'ai un petit zipper. Tu sais, exemple, on va en voyage, on part à quelque part. Tu sais, même une fin de semaine. Désolée. Petite fin de semaine ou peu importe. Tu sais, je peux mettre mes bijoux là-dedans. Je la trouve vraiment nice, donc je la trouve trop belle, puis genre rose gold, comme à quel point. Mais c'est ça, donc je voulais changer genre le maquillage que j'utilise comme tous les jours, je voulais le mettre là-dedans. Puis genre jeter, tu sais, il y a tout le temps des affaires comme par rapport qui finit par aller dans notre poche de maquillage. Puis ça c'est vraiment ma poche qui est comme avec les produits que j'utilise comme régulièrement. Sinon, dans mon jeune temps, j'avais une passion maquillage. Tu sais, quand là, c'était la mode de genre les Kylie Jenner, tu sais, comme toutes les... J'en ai sorti un l'autre jour parce que je voulais faire un comeback, mais c'est bien trop tendant quand tu vas manger au restaurant. Tu sais, toutes les Kylie lipsticks, des affaires comme ça, je les avais pas mal toutes. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai plein genre de palettes à ma paupière, tout ça, mais j'en utilise jamais. J'utilise juste une palette que ça fait comme genre 2-3 ans que j'ai tout le temps. Mais c'est ça, donc des fois j'ai des petites questions sur mon maquillage, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit get ready with me, c'est ça. Puis, je vais pas tout vous montrer comment je me maquille et tout ça. Je vais juste vous montrer mes produits si jamais ça vous dit. Puis tu sais, c'est rien de fancy là. C'est toutes des choses qui se trouvent à la pharmacie, sauf un produit que j'ajoute tout le temps chez Sephora. Donc, avant de commencer, on se met toujours un petit linge. Puis là, je sais que c'est pas la meilleure luminosité là, pour vous montrer les produits, mais gars, l'effort est là. Donc, toujours un petit linge pour commencer. Ensuite, j'utilise depuis le mois de décembre la brume de Umi. J'adore. Moi, j'aime ça me mettre des petites brunes dans la face. Des petites brumes dans la face. Puis on dirait que je me sens fraîche après. Après, j'ai leur sérum d'ailleurs. Je l'ai tellement utilisé qu'il me reste juste des petites gouttes. Puis en passant, merci, vous êtes une coupe à avoir utilisé mon code pour vous acheter des petits produits. Donc c'est comme le fun. Vous êtes pas mal cute. J'espère que vous allez aimer vos produits. Mais moi, pour vrai, je les aime vraiment. C'est frais, c'est bon sur la peau. Puis mes rougeurs, ça aide vraiment.
Là, tu sais, là, je suis rouge, mais tu sais, je suis allée dehors tantôt. Puis, j'ai plus beaucoup de sérum. Donc, c'est certain que il y a juste au moins ce que je peux faire. Puis, depuis que je porte, je me suis aperçue, là, j'ai tout le temps de la difficulté, mais comme tout le monde, là, dans le fond, là. Tu sais, les boutons puis le masque, là. Mais là, mon menton ici, j'ai beaucoup de. Là, puis là, j'ai beaucoup la peau irritée. C'est juste que depuis, je porte les nouveaux masques, genre les Korean 95, là. C'est plus chaud, puis je respire. Tu sais, quand je respire dedans, ma peau vient. Tu sais, vous comprenez, là. On dirait que j'ai tendance à faire plus de boutons. Puis, c'est ça. Donc, d'habitude, j'ai un beurre bien épais de sérum. J'aime vraiment la texture. Puis, je viens terminer avec la petite crème de jour. Oups! C'est comme ça aussi, j'en ai plus. Il m'a resté un petit peu hier. Là. Oh, la petite démon. Oh, je peux l'ouvrir comme ça. Oh, ying encore. Ok. Oh, il y en a plein, même. Okay. C'est juste parce que le fond, avec l'applicateur comme ça, là, ça fait que quand il n'y a pas dans le milieu, ça vient pas. Mais ouais, j'adore la texture. Puis comme je vous ai dit, je sais pas pourquoi j'ai mis celle de soir. Ça se peut que c'est dans ma tête. Mais plus j'utilise, plus ça vient vraiment. Je sais pas. Peut-être parce que c'est le soir, puis je sais pas, je m'en vais me coucher, puis on dirait que ça me calme, je sais pas. Mais je l'aime vraiment. Des fois, je mets aussi de la crème sous les yeux, puis plein d'affaires. Je me beurre la face. Mais en gros, c'est ces quatre produits-là que j'utilise pas mal tous les matins. Ensuite, habituellement, si je suis vaillante et que je sais que je vais dehors ou peu importe, j'utilise la petite crème solaire comme ça, là, de La Roche-Posay. Puis le genre comme un petit teint ou même l'été, là, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je sais qu'on serait toutes vaillants et vaillantes. On devrait en mettre tous les jours de l'année parce qu'il y a du soleil quand même tout le temps. Mais je le fais pas. Mais je vais quand même la transférer dans ma poche à maquillage parce que des fois, j'utilise. Ensuite, un bon vieux déo. Ça aussi, je vais le transférer. Pour mon... Je vais juste tout vous montrer, puis après je vais me maquiller. Là. Mon fond de teint, ça fait longtemps que j'utilise juste le Revlon Color Stay. Donc, rien de compliqué. Je l'ai pris en pharmacie. Avec des points Sephora, puis... Oh, le Sephora, je pensais que c'était lui, là. Je m'avais acheté, genre, il y avait eu des rabais. J'avais entendu souvent parler de ça. C'est genre le Dior de Sephora, puis là c'est mon L'Oréal, lui j'avais pas vraiment aimé, c'est juste, je pensais que c'était lui, c'est parce que la bouteille ressemble à ça, puis j'avais eu des points, puis il y avait des rabais, puis en tout cas, j'avais décidé de l'acheter, ça fait quand même longtemps, mais je l'avais pas tant aimé, comme juste du bon vieux Revlon à 15$, là, ça fait l'affaire. Donc j'utilise mon Revlon Color Stay. Après mon cachet, je prends le CoverGirl, comme ça. Et Concealer True Blend Undercover. Bien correct, bien bon. Je l'aime beaucoup quand même. J'aime aussi celui avec comme la petite éponge sur le bout. Mais je trouve que celui là tient plus longtemps. Sinon, mon mascara. J'utilise tout le temps le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Donc celui-là, je le rajoute tout le temps, tout le temps. Puis c'est vraiment, je trouve, une imitation au Better Than Sex de Benefit. Donc je l'aime vraiment, vraiment. J'avais déjà eu le Better Than Sex, puis pour vrai, je pense que j'aime mieux le L'Oréal. Et des fois, j'aime aussi lui, là, le CoverGirl, le violet, là. Mais j'aime vraiment mieux le Lash Paradise. Sinon,
Produits pharmacie, c'est pas mal tout. Mes deux autres produits que j'utilise à tous les jours, ceux-là viennent du Sephora. D'ailleurs, j'en ai eu une nouvelle pour la Saint-Valentin. Donc, c'est la poudre translucide de Laura Mercier. Pour vrai, je l'adore, genre pour setter comme mon cachet. Mais pour vrai, moi, j'en mets partout, là. Je me beurre la face. Ça set genre mon fond de teint, puis on dirait que je me sens, hein, tu sais, je viens pas huileuse au courant de la journée, tu sais, comme dans ta chaude, hein, ton fond de teint, t'sais, après un bout de ton fond de teint, tu sais, veux pas, c'est liquide, tu comme. En tout cas, moi j'aime vraiment ma poudre. J'avais hâte de voir. En gros, Francis, je voulais que je fasse une liste à Saint-Valentin, puis genre qu'ils choisissent une couple de choses. Puis j'avais hâte de voir si elle allait prendre la bonne. Et oui, elle a pris la bonne. Je suis trop contente. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. La belle poudre. Puis genre, elle dure vraiment longtemps. Là, même si je l'utilise à tous les jours. Puis, comme là, il n'y en a plus. Là. Et je me tapais dans la main. Je tapais le fond. Donc, on va mettre ça à la poubelle. Et mon autre produit, tout sale, vraiment vieux, que j'utilise tout le temps, tout le temps. C'est ma palette de Sephora, puis ça s'appelle The Enchanting Colors. So, c'est genre comme des couleurs enchantées, là. Comme c'est vraiment gênant, elle est vraiment sale. Mais celle-là, je l'ai depuis Noël. Pas Noël qui vient de passer, Noël l'autre. Puis Noël d'avant ça, j'en avais eu une. C'est comme Noël à Noël, Noël. On se comprend? Mais là, je l'ai depuis Noël passé. So, ça fait plus qu'un an. Puis, j'utilise toujours les trois mêmes couleurs pour mes yeux. Mon blush est là-dedans, puis mon bronzer. Donc, voici l'état de ma palette. Elle est vraiment, vraiment sale et vraiment, vraiment, et vraiment, vraiment utilisée. Donc, j'utilise tout le temps le blush, le bronzer. On voit que c'est ces trois couleurs-là que j'utilise le plus. Celle-là aussi. Et ça, c'était genre mon highlight, puis mon toute ma base, de la base de mes yeux. Là, vu que j'en avais plus, j'utilise celle-là comme la base de mes yeux, celle-là dans le milieu, puis plus foncé, là, genre dans le coin. Donc, c'est ça, ça ressemble à ça. The Enchanting Colors. Puis, ben c'est ça, je l'aime beaucoup parce que c'est tout le temps... C'est elle que j'utilise, ça fait longtemps, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire je l'aime beaucoup parce qu'il y a tous les produits que j'ai besoin. Soit à la place d'avoir un bronzer, un blush, un ci, un ça, ben, j'adore. Sinon, j'aime beaucoup les butter bronzer. Ils sentent bon, ils sont bons, ils sont... J'adore. Et pour mon parfum, j'ai tout le temps la petite version dans ma trousse, là, mais sinon j'ai mon gros parfum dans mon bureau. Parce que quand je m'habille d'habitude, c'est là. Puis là, je finis avec mon parfum. Mais c'est le Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc, c'est ça, mes petits produits. Et là, ça fait 13 minutes que je parle. Misère, misère. Mais je vais aller me maquiller rapido presto. Puis après, je vais faire mes petits cheveux. Ici, aujourd'hui, on est samedi. Les plans de la journée, c'est vraiment pas... J'ai pas vraiment de plans, là. Comme pas mal à chaque fin de semaine, là. Prends ce travail comme à l'habitude. Ce matin, on a relaxé un peu dans le lit. Francis, c'est... je vous ai dit dans le dernier vlog, là. Pogné un trip de recommencer à écouter Game of Thrones. Donc là, il écoute ça matin, midi, soir. Mais je peux pas le chialer. Parce que quand on commence une émission, là, c'est, on dirait que c'est juste ça qu'on veut faire. Mais comme moi, avec Love is Blind, je voulais tout écouter tout de suite. Mais sinon, cet après-midi, je pourrais peut-être lire un peu, terminer le troisième livre là, de Quand on aime la mauvaise personne. Sinon, on est samedi. L'auberge vient d'ouvrir à pleine capacité parce que là, on vient de changer de phase pour toutes les restrictions puis tout ça. Puis là, les restaurants sont ouverts comme à 100% et on n'a plus besoin d'avoir de bulles. T'sais, là, on avait des bulles de commencer, bulles de famille, bulles de 10, puis là, il n'y a plus de bulles. C'est genre un maximum de 20 là, à l'intérieur.
Mais juste pour dire que ça s'en vient tranquillement, pas vite, mais on va être positif. Mais juste pour dire que c'est ça, l'auberge est à full capacity. Puis c'est samedi, il fait beau, donc je vais sûrement aller me chercher un bubble tea aujourd'hui pour une petite traite comme ça. Et je vais revenir à la maison. Puis pour grand-chose qui va se passer, j'aimerais peut-être faire, en fin de semaine, j'aimerais faire des pretzels. Puis sinon, c'est vraiment ça, là. On verra en temps et lieu. Donc, je vous laisse et on se reparle bientôt. Et salut! On peut pas vraiment voir, mais un peu. J'ai terminé mon petit maquillage avec mes petits produits préférés. Oups! Ok. Et donc voilà. Et j'ai tout transféré dans ma petite bouche, bien contente. Et je me sens prête pour aller à mon petit souper de Pâques. On dirait que je suis coquette parce que je me suis mise du rouge à lèvres rose bubblegum. Mais dans le fond, c'est juste une autre couleur de mon huile de Clarins préférée du monde entier. C'est juste que moi, avant, j'utilisais toujours le framboise. Puis là, dernièrement, ça fait comme un an que j'utilise la teinte plus foncée. Je pense que c'est cerise ou je suis pas certaine. Il est genre rouge vin. Ça fait comme une mini touche de couleur. Puis comme printemps, été, j'aime utiliser celui-là. C'est le Candy Glam. Parce qu'il fait comme genre des petites lèvres rosées. Là, vous voyez pas beaucoup, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, mon petit moment glam est terminé. Et là, on va essayer de faire quelque chose avec mes mini cheveux. Oh, ils sont tout mini. Ils sont tout mini, tout trempés. Molly, ça va-tu? Ça va-tu, ma coco? Puis avec ma coco, des fois, je trouve que ça fait friser mes cheveux. Molly, qu'est-ce qu'il y a? Finir mes petits cheveux la première fois avec mon fer, puis j'aime vraiment ça. Hein, les petits cheveux, c'est certain que là c'est la première fois, là, puis il manque des petites mèches un peu partout, mais non, je me sens vraiment, je me sens tout droit sortie, genre de comme la mouille dans le pré. Là, j'ai comme un petit peu les cheveux fous, par exemple. Mais non. I'm loving it. I'm loving it. Non, comme on dirait, je suis comme. Je suis vraiment prête à animer la Mouna le Pré, là, avec cette petite robe-là. J'adore. Mais sinon, c'est ça. Le Dyson, mes impressions jusqu'à maintenant, je l'adore. Mais, tu sais, c'est vraiment. C'est encore un or là, à maîtriser. Puis, il faut vraiment que je me jette une petite bouteille avec de l'eau parce que à chaque fois, je sèche trop mes cheveux.
Mais regarde, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est comme genre, moi j'ai tendance à me laver les cheveux le soir. Sauf quand je me prépare le matin, mes cheveux sont déjà toutes sèches. Et je l'ai déjà essayé une couple de fois. Ça fonctionne quand même vraiment bien là, les cheveux sèches. C'est juste que la tenue est vraiment moins longue. C'est rendu à la fin de la journée, c'est plus c'est curly comme juste dans le bas, mais c'est quand même un effet que j'aime aussi si jamais. Mais tu sais, ça fait vraiment comme des curls comme effortless, comme on dirait, sont comme c'est léger, tu sais. Mais non, j'aime bien ça, bien contente. Je vais aller. Je suis allée pour faire ça. Bye! Je suis allée pour dire, je pense que je vais commencer à me penser à me faire un petit dîner. Et ensuite, ça va être l'heure d'aller me chercher un bubble tea. Donc, on se parle tantôt dans un meilleur angle et dans un meilleur éclairage. J'espère que vous avez aimé ce petit segment Get Ready With Me. Puis, je serais curieuse de savoir, vous, genre, là, je vous ai parlé de mes petits produits préférés. Vous, c'est genre, c'est quoi votre must? T'sais, c'est quoi votre must de pharmacie, votre must de Sephora, votre must de n'importe quoi? C'est quoi, genre, le produit que vous utilisez tous les jours ou que vous adorez ou que vous rêvez, genre, d'avoir ou comme n'importe quoi? Genre, un produit beauté, maquillage, dans cette lignée-là. Donc, laissez-moi savoir, on se parle tantôt! Oula! On fait un petit taste test de bubble tea parce que Francis a jamais goûté ça, les petites bulles. Ah ouais, mais j'ai déjà bu ça quand on était à Floride une fois. Ça, c'est la même affaire. On a bu ça? Oui, l'affaire de... On a déjà bu ça à Tracadie, genre. Non, on a bu ça au... Attends une minute. So, la sorte, c'est au bleuet. Puis toi, t'as des bulles au melon d'eau. Puis moi, j'ai des bulles au... OK. Au pomme. As-tu quelque chose que tu veux dire aux amis du vlog? Ça fait longtemps que tu les as pas posé une question. Votre drink préféré. Ah! Ah, c'est vraiment bon. Ouais? Tu vois? Ah, c'est différent. Goûte de quoi comme je bois au Starbucks? Mmh. Mmh, c'est bon. J'ai goûté mon lardo. J'essaie de prendre. Mmh. Ah! J'ai jamais goûté le thé au bleuet, il est bon. Oh oui, mon lardo. Mmh. Le lardo, ça goûte bon, les petites bulles. Moi, c'est aux pommes vertes. Tu goûté? Non. Oh oui! Mmh. Oh mon dieu, ça goûte vraiment le melon d'eau. Mmh. 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 Moi j'aime vraiment les pommes vertes parce que ça fait un petit surette. Mmh. Mmh. Ok. Ça va-tu? Au Francis, on s'en va faire quelque chose d'excitant, mais on vous en parle pas plus. T'es excité? On vous en repart un jour. Ça va avec ce que j'ai dit dans le dernier vlog. J'ai dit qu'on faisait de quoi d'excitant à Pâques. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon dernier vlog, tu dois être enceinte, tu vas annoncer ta grossesse à Pâques.
J'ai dit non, c'est pas ça. J'ai dit dans le même vlog, j'ai dit je vais boire de l'alcool avec mes amis. Non, inquiétez-vous pas, je suis pas enceinte. Bon. Donc, on se reparle plus tard. Hola! On s'en va chez des amis, puis je vais vous montrer les trois jeux que j'allais apporter. Je sais pas quel on va jouer là, ça se peut mes amis ont d'autres plans aussi. Mais je vous ai déjà parlé de celui-là. Mais là, il s'appelle Stuff Happens. Mais nous autres, on a juste déjà joué à la version Shit Happens. Mais c'est vraiment, vraiment drôle. C'est genre, c'est plein de choses qui arrivent comme dans la vie qui est comme vraiment pas plaisant. Tu sais, exemple, porte de la voiture. Un sac de bacon. Ouais, un sac de bacon, j'ai mal du coup dans la bouche. Exemple, porte de la voiture qui se referme sur la main. C'est-tu plus plate que téléphone qui tombe dans les toilettes ou de faire pipi au lit toutes les nuits? Tu sais, c'est comme plein d'affaires genre, qui arrivent dans ta vie. Puis là, tu mets comme un genre. Oh, ouais. Ouais. Un stuff-o-mètre, ça s'appelle. Un stuff-o-mètre. Un stuff-o-mètre. Donc là, on apporte lui. Après, c'est le nouveau jeu de Chloé de Blois. Je ne l'ai jamais joué encore. Devine the song. Puis un classique. What do you meme? Oh. What do you meme? Bon. Donc, on va apporter ça. Je pense que c'est apporter des petites bières. Mm-hmm. On va apporter des party mix. On va aller mettre du gaz. Puis on a fait un petit sac à Molly. Parce que Molly va aller Merci. Chez Bébé et Pépé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac à Molly. Bonjour, voulez-vous voir son sac? Molly? Hein, t'as des petits bacon? On a apporté un de ses toutous préférés. Une aubergine. Puis, un ballistique. Mon, d'où les messages? Ouais, je pense que c'est ça. Hey, déplaise. Puis, donc c'est ça. On va aller l'apporter chez Mémé et Pépé. Bonjour, Tifa. Oui, bonjour. C'est bonjour! Bonjour! C'est bonjour, tu vas! J'espère que vous allez bien. On est le lendemain, comme vous voyez. On est dimanche. Puis, il est 11h25. Et là, j'attends mes petits parents d'amour parce que je m'en vais prendre une petite drive. Donc, on s'en va à Miramichi. Donc, c'est environ 40 minutes de chez nous, là, 45 minutes. Puis, et ça, mes parents aiment ça prendre des petites drives le dimanche des fois. Puis là, ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la... demain. C'est la journée de la famille. Donc, c'est la fin de semaine de la famille. Mes parents ont dit, hey, veux-tu passer une petite journée de famille avec nous? Donc, je vais aller avec eux. Ça va être le fun. Je vais aller au Calico Café. Ah, mes cheveux sont comme... C'est juste mes cheveux de hier. On dirait qu'ils sont comme bizarres. Je savais pas si j'avais le temps de faire des petites girls, mais bon. Que je disais, on va aller au Calico Café. Noom, this is so good. C'est un bon café à Miramichi où est-ce qu'ils font genre toutes belles drinks spéciales. Puis, il y a un white raspberry mocha. So, un mocha aux framboises qui m'intéresse pas mal. Puis, sinon, on va aller au... Parce qu'ici, chez nous, on a un Marshall. Là-bas, c'est un Winners. Donc, on va aller au Winners
Sinon, on va dîner, on va manger du AW. Donc, ça va être une belle journée. Toutes des choses qu'on n'a pas ici. Puis, juste une petite drive, là, en sens, ça va être le fun. Et je vous montrerai bien des petits bouts de notre journée. Mais sinon, c'est un dimanche assez froid, mais un beau soleil. Donc, juste parfait pour prendre une belle drive. Et c'est ça. Donc, je vais vous apporter avec nous. Sinon, hier, vraiment belle soirée avec nos amis. C'était vraiment le fun. On a joué à le jeu que vous avez montré, là. Stuff Happens. Puis là, je sais vraiment c'est cool, là, parce que je l'avais acheté. Puis j'étais comme, ah, c'est une autre version de Shit Happens. Non, non, non. Mais dans le fond, Stuff Happens, c'est genre la version comme PG-13 de l'autre version. Donc, nous autres, on a mieux aimé Shit Happens, genre comme celui 18 ans et plus, disons. Parce que Stuff Happens, c'était... Tu sais, c'est des affaires un petit peu plus banales. Puis nous autres, dans notre tête, il y a des affaires qui étaient vraiment comme pire que qu'est-ce que c'était vraiment. Tu sais, faut genre tu te mets dans la tête de genre un enfant de comme disant qu'est-ce que lui penserait qui serait pire que, tu sais, en tout cas. Mais c'est ça, on a mieux Shit Happens, sinon on a joué à What Do You Mean, c'est tout le temps drôle. Puis c'est ça, on est revenu vers la maison vers comme 10h30 là. On s'ennuie de notre petit moulin. Il a bien fait ça chez mémé et pépé. Mais sinon, c'est ça. Donc, je voulais juste vous dire un petit coucou. Je vais vous apporter dans les petits bouts de ma journée. Si j'achète des choses, je vous ferai un petit haul. Mais je n'ai pas vraiment grand-chose sur ma liste. Là. Peut-être des petites trouvailles du winner, si jamais. Seule chose que j'ai vraiment besoin, je me suis fait une mini-liste. J'ai écrit Airspray. Donc, c'est la seule chose que j'ai vraiment besoin. Le reste, ça sera des petites surprises. Donc, on se reparle tantôt. Papa cogne. Hello! Hey, c'est bonjour! Je viens d'arriver à la maison, je m'ennuyais de mon enfant. Puis, j'aurais aimé vous faire un gros haul avec plein de belles découvertes. Mais j'ai acheté deux choses. Une chose pour Molly d'amour et une chose pour moi. Donc, je vous avais dit que j'avais besoin de spray. Donc, dans tout le Winners au complet, il n'y avait pas de spray. So, ma mère m'a arrêté au Marshall en revenant à la maison. Donc, j'ai pris le spray qui était là. Sebastian Shaper Plus. Donc, ça dit longue tenue, mais genre que tu peux toucher tes cheveux. Là. Moi, j'aime pas quand que les boucles viennent sec. Donc, on a ça et... Pour Miss Mouni, on a un petit collier. C'est pour toi, mon amour. Oui, c'est pour toi.
T'es-tu contente? En gros, j'adore mettre des petits bandeaux là, comme que Molia tout de suite. Oui, tu veux l'avoir. C'est à toi. Et j'adore lui mettre. On va te mettre par terre pour montrer aux amis, ok? Non, non, gardez la mcha. Non, non, non. On va te mettre par terre. Ouais. Donc, c'est ça, j'aime lui mettre des petits bandeaux, mais comme. Là, c'est plus la Saint-Valentin. Ça, là, je vais lui enlever. Mais je trouve que son. Le collier là, il est genre comme plein. Puis, l'année passée, on avait un avec une belle boucle, genre comme pour le printemps. Là. Donc, là, je me suis dit que. J'allais lui acheter un beau petit collier de printemps. Genre printemps-été. Puis, quand il y a des occasions. Là, je pourrais pouvoir mettre le collier qu'elle a tout de suite, mais avec des petits bandeaux. So, là, exemple, plus tard, comme pour Pâques, quand je vais aller au Pet Shop, je pourrais lui en prendre. Mais c'est ça. Donc, je suis allée au... Parce que là, nous, dans notre région, on a eu un Pet Value, mais je trouve que le Pet Smart a vraiment plus de produits. Donc, le Pet Smart à Miramichi, toujours des beaux colliers puis des beaux accessoires. Donc, regardez. Non, je capote. C'est genre en velours avec la belle grosse fleur. Non, 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 non. Elle va juste être trop belle. Tu vas trop être belle, mon amour. Donc, c'est ça. On a passé un beau, une belle journée. Notre café chez Calico était malade. J'ai pris un Raspberry White Mocha avec du matcha à la place de l'espresso et c'était trop noom. Donc un mocha blanc glacé aux framboises avec du matcha. Après mon père j'ai pris un café normal puis ma mère voulait rien mais je lui ai commandé une limonade aux fraises pour la vraiment aimer. Genre il y a des glitters dans la limonade. So, c'était trop noom. Et à chaque fois que je vais à Miramichi, je vais tout le temps arrêter me chercher un café là, c'est vraiment nice. Donc c'est ça, puis à la place d'aller au AW, on a été au Boston Pizza, puis c'est tout le temps bon comme d'habitude. On prend tout le temps le dip à l'artichaut, aux épinards, est vraiment bon. Puis je prends tout le temps moi une petite pizza avec des cactus potato. Donc moi je prends elle au barbecue, genre bourbon, barbecue ranch, puis des bons, genre des bonnes patates cactus là. Puis c'est ça, c'est tout le temps bien bon. Et c'était tout. Il y avait vraiment des belles choses aux Winners de Pâques, puis tout ça, des décorations, mais genre j'ai la maison pleine, j'ai plein. Comme j'ai tout ce que j'ai besoin. Ça, je me suis dit que j'allais faire la grande vie. J'aimais. Je voulais aussi avoir des draps de genre printemps, genre été-printemps là. Mais il n'y en avait pas que comme j'aimais. Il y en avait des beaux là de Katy Perry, mais j'aurais aimé avoir comme un petit rose avec des fleurs ou quelque chose. Donc je vais attendre un peu. C'est pas tout de suite la saison là. Ça devrait arriver bientôt. Mais c'est ça. Il y avait vraiment des belles décos, mais je me suis contentée d'un hairspray et d'un petit colis. Donc là, ma batterie bling bling bling. Je pense peut-être que je pourrais vous conclure le vlog ici. Puis si jamais je pense à vous filmer des petits bouts de ce soir, tant mieux, je pourrais les mettre après. Sinon, mais ça sera ça. Puis les plans de la soirée, on s'en va au gym, après souper. Après, je pourrais peut-être vous faire un petit test de pretzels tantôt. Ok, je vais continuer à vous parler. Les pretzels que je vous dis qui étaient trop noum noum au début cours, ma tante nous en a commandé. Puis là, genre j'ai au parmesan. Puis hot sauce, je crois. So, je pense que je peux vous faire un petit test tantôt pour vous les montrer. Mais c'est ça. Ok, on se repart tantôt. On se retrouve plus tard. On se retrouve. On se retrouve. Plus tard la soirée. Il est 9h. Bonjour, mon image avec son beau collier. Mais non, ce soir, c'est une belle petite soirée. On a mangé du bon saumon. Après, on est allé dans la cave. Moi j'ai marché, Molly aussi, mon babe, tout en écoutant Big Brother. Puis aussi on a joué au pool, donc c'est vraiment une belle petite soirée. Puis là il est 9h, Francis commence son marathon de Walking Dead. Je sais pas si vous êtes des grands fans de Walking Dead chez vous, mais
Ici, Francis est un grand fan et là, c'est la dernière saison qui commence, puis je pense qu'il y avait l'alarme ici. Mais bon, donc, j'ai reçu mes pretzels. Je voulais vous faire un petit taste test avant de conclure ce vlog-là parce que j'ai commencé un peu le montage et il est déjà assez long. Mais c'est ça. Excusez-moi, j'ai comme perdu la voix. J'ai jamais vu ces sacs-là, genre, en magasin. Puis là, mon père a été au magasin, je pense que je vous ai dit ça dans le dernier vlog ou dans ce vlog-ci. En tout cas, je suis pas sûre. Mais il a genre fait toutes les allées, il a demandé à 5 madames, puis il n'y a personne qui a pu les trouver. Donc, la seule option qu'on peut comprendre, c'est que c'est réservé genre pour les commandes en ligne. Parce que ma marraine a pu les trouver justement quand elle fait sa commande en ligne au Superstore. Donc, seule façon qu'on les a trouvés. Puis, probablement que ça va être une denrée rare parce que là, elle avait même commandé beaucoup de sacs de Dill Pickle. Puis, pour se faire comme une réserve. Puis, elle a juste eu la moitié là, de ce qu'elle a commandé. Donc, est-ce que c'est nouveau? Je sais pas. Est-ce que c'est là pour rester? Je sais pas. Est-ce que c'est trop noob? Oh my god, que oui. Ok, so, dans le fond, ça s'appelle Pop Daddy Pretzel. Puis les sacs ressemblent à ça. Donc, si jamais vous avez déjà goûté à ça, puis que vous capotez autant que moi, laissez-moi savoir que je ne suis pas la seule. Mais pour vrai, genre, j'aurais pu manger le sac au complet de Dill Pickle l'autre jour. Mais là, on va essayer ça. On a une sauce piquante. Ça qui est le fun, genre les sacs, c'est comme des... ça se referme, là, tu sais, même si je les ouvre toutes, pas grave. Après, on a ail et parmesan. Ça va être bien bon aussi, je suis certaine. Mais, genre, je pense pas qu'il y a rien qui va détrôner ça. Cornichons à la mienne. Genre, vous savez, moi, je suis pas une tripeuse de cornichons. Genre, c'est rare que vous allez me voir croquer dans un champignon. Dans un cornichon. À moins que c'est genre dans un ciseau ou comme... que je le pogne dans ma bouchée, genre, dans un burger de McDo. Mais même à ça, c'est rare, je le vois d'avance puis je l'enlève. Mais je commence de plus en plus à aimer ça. Comme là, en fin de semaine, j'ai fait des hamburgers maison. Puis j'ai mis des pickles dedans. Je commence à apprécier, mais c'est un goût qui se développe. Mais tout ce qui est à saveur de, je capote ma vie. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Puis c'est ça qui va être mon petit snack ce soir pour écouter Star Academy. Je vais faire un petit sac de ça. Demain, il n'y a pas d'école. Donc, je pense même que je vais me prendre un petit Amaretto Sour de Aztec. Un petit Amaretto Sour sans alcool pour me faire une petite prête. Puis, c'est ça. Moi, je vais écouter Star Academy en haut. Puis, Francis écoute Walking Dead en bas. Mais je sais pas si vous... Ouh! Ça pique les yeux. Je sais pas si vous avez écouté Big Brother, mais c'était... une terrible émission. Genre, comme je trouve... Ben, si vous écoutez Big Brother puis vous avez pas écouté Dimanche puis vous voulez pas genre de spoiler, skipping comme deux secondes. Mais, pour vrai, je sais qu'ils voulaient, genre... Je sais que tout le monde voulait détruire le trio. Mais je trouve... C'est vraiment triste la façon dont ça s'est passé. Comme ils ont même pas pu se dire bye presque. Ils ont même pas pu se préparer mentalement. Catherine a même pas eu ses petites vidéos de revoir. Tu sais, comme moi... Comment je suis, moi, exemple, je serais là, puis j'aurais pas eu mes petites vidéos, on dirait que ça m'aurait fait la peine. On dirait que je trouve que c'est comme une terrible manière de partir, hein. Mais ouais. En tout cas, donc, on va aller avec sauce piquante. Donc, picante. Puis c'est des, juste des longs pretzels comme ça, là, mais pour vrai, je vous jure, c'est noob. J'avais jamais mangé des pretzels à saveur, là, comme de même, là. Ok. Comme. Là, j'en. J'ai presque emballé. Comme là, j'en mange deux, trois. Ça goûte le piquant. C'est piquant. Pas extrême. Comme c'est tolérable. C'est vraiment bon. Comme moi, j'aime ça. Tu sais, c'est pas le Junior Chicken Ghost Pepper que j'ai mangé l'autre jour, là. C'est vraiment mangeable. Comme je pourrais me faire un bas. Mais, ça goûte juste le fort. Comme,
Il n'y a pas comme un goût, genre. Tu sais, des fois, exemple, une sauce barbecue qui est forte, ou comme, tu sais, dans un foie, il y a comme, tu sais, la mayo épicée, exemple, du yuzu. Elle est forte, mais un goût. Ça, c'est juste fort. Comme il n'y a pas de bon goût. Nom, nom, nom. Nom, nom. J'ai pas d'allure. Faites de quoi avec moi. Ok. Ensuite, ail et parmesan. Musique en arrière-plan. Vraiment bon. Ça goûte. Mon épice de piqûre, ail et herbe. Mais genre, avec le parmesan, c'est comme plus crémeux, genre. Vraiment bon. Mais je me tendrais à manger un plat de ça. Parce que je veux pas être l'air après un bout. Je sais pas pour vous, mais moi, comme ça me récite l'air. C'est qu'on me verrait pas manger un bol de ça. Comme une coupe là. Et après, tu passes à autre chose. Mais vraiment bon quand même. J'adore. J'adore ça. Ok. Mais là, si vous goûtez, là, ça se peut que genre, je mets trop les expectations hautes, là. I hopes. Mais, non. Non, non, non. Comme, c'est juste trop bon. Comme je pourrais manger ça, comme pour des collations à l'école, comme pour un à côté de sandwich, comme un petit bol, là, en écoutant sa académie. Genre, je pourrais juste manger ça tout le temps. Nom, nom. C'est juste le parfait dip cool. Tu sais, des fois, il y a des dip cool qui est comme pas assez sûr, genre, pas sûr, mais vous comprenez? C'est juste le parfait équilibre. Dip cool. Genre avec le crunch crunch du brizzle. Donc, ça ressemble à ça. On peut pas vraiment voir, là, mais il y a comme quand même de la poudre dessus. Mais sinon, c'est ça. Petite découverte. C'est un produit des États-Unis. J'avais jamais vu ça avant. Si vous avez d'autres produits semblables, comme ça, des petites trouvailles, let me know. Mais ça, ça a vraiment changé ma vie. Ça fait juste 3 jours que je sais que ça existe. Ça a changé ma vie. Le slogan, c'est drôle, c'est un goût débordant de saveur, du croquant. Bon, on sent lécher les doigts. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de stuff, genre, qui reste sur tes petits doigts. Donc, après, hors caméra, vous pouvez vous lécher les petits doigts. Mais bon, mais bon, mais bon. Sur ça, je vais arrêter de dire des niaiseries. On va aller me faire un petit bol. Et on va aller voir qui va partir à Star Academy. Ça, ça va être une autre soirée déchirante. On dirait que j'aime quand même les trois. Mais un des trois, c'est... Ah, oh, j'ai dit que j'allais pas mâcher les doigts devant vous. Je l'ai fait. On les rend là. On les rend là, la gang. Mais j'aimerais vraiment que Camélia puis que Laurie restent. C'est mes deux choix. Chouchou. Donc là-dessus, un gros coucou. Je vous dis un gros merci d'avoir écouté mon vlog. Hier, me semble, j'ai fait comme un petit get ready with me, des petits produits, soirée entre amis. Mais c'est ça, donc j'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir passé la fin de semaine avec moi. Moi, demain, j'ai une journée de la famille, donc j'ai congé. Après mardi, j'ai une journée à l'école. Après mercredi, il annonce une tempête. Est-ce qu'on va encore en avoir une tempête? Je ne sais pas. Si oui, je vais vous dire un petit coup. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Déjà, presque la fin du mois de février. Aucun sens. Je vous souhaite de sortir vos petits lapins. Je vous souhaite de faire des petites choses qui vous font plaisir cette semaine. Prenez du temps pour vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est important. Et on se voit très bientôt. Donc, à la prochaine. Et moi, je vous dis bye!